Alors, ça vous plaît? Ouais, c'est Fribourg. Et ça, c'est le café de la marionnette, je dois dire. En principe, ça devrait plutôt être le musée de la marionnette, mais beaucoup de monde le connaît comme le café de la marionnette. Bah, écoutez, le plus simple, c'est qu'on y aille. Je vais vous montrer. Venez, venez. Bonjour, bienvenue à l'exposition du Guignol à roulettes. Comme vous le voyez, on a beaucoup produit de spectacles, on a fait beaucoup de voyages avec nos spectacles. Et comme vous le voyez aussi là, eh bien, un Guignol à roulettes, c'est avant tout pour moi un théâtre de Guignol à la Lyonnaise. Le Guignol à la Lyonnaise, ce spectacle-là, il a parcouru la Russie, il a parcouru l'Afrique, partout j'ai pu voyager avec des petit sac, pas trop encombrant, et aller jouer une histoire d'un petit adolescent qui était perdu dans une usine de chaussures. Et je vous montre. Ben voilà, vous êtes bien attrapé maintenant. C'est vous la marionnette. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On prend nos marionnettes comme je vous l'ai montré là. Pendant qu'on joue, souvent, on en prend une deuxième, de manière à préparer la scène suivante. On entre avec une marionnette d'un côté, il y en a une autre qui arrive par là. Elle se cache, elle décide d'aller là. Pendant ce temps-là, nous, on fait un retournement physique et la marionnette se retrouve de l'autre côté. Et sans arrêt, on joue avec les deux mains. On joue avec des objets. Par exemple, ce carton qui était porté par une marionnette. Hein? Ou bien cette pile de cartons, tout aussi rigolote du reste, qui devait effectivement donner l'impression qu'elle était en train de tomber sur les épaules d'une marionnette. Voilà, nos marionnettes, elles sont pendues, je ne sais pas si vous le voyez bien là, elles sont pendues là. Accrochés et on arrive à les prendre en même temps qu'on joue. Ça va, vous êtes bien? Vous avez vu comment on voit le public depuis là-haut? On va pas vous laisser accrocher trop longtemps. Venez. Ça s'appelle le fil d'argent. C'est pas vraiment un spectacle, c'est une animation qu'on a créée pour les enfants. On a fait ça de manière... j'avais fabriqué énormément de ces marionnettes qu'on appelle des marottes. Vous voyez comme ça se manipule? Il y a juste un bâton. Hein? On prend ça comme ça. Et pour les enfants, c'est très facile de faire des petits spectacles, des scénettes avec ces personnages. Comme vous le voyez, on a énormément... Bon, aujourd'hui, il y en a un peu moins, mais il y a une soixantaine de personnages qui ont été mis à disposition des enfants. Depuis 6 mois, elles sont là et il y a eu une seule marionnette qui a été abîmée. Donc les enfants ont beaucoup joué et ils se sont bien amusés avec ce fil d'argent. Ce sont des enfants d'une maison ça s'appelait la Grande Maison, à Courgémont, dans le Jura, qui a peint ces marionnettes après que je les ai fabriquées. Et elles ont servi dans beaucoup d'ateliers où le but était de donner la parole aux enfants, non pas de les faire fabriquer, mais de les faire jouer. Bon, le théâtre d'ombre, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Et là, on a d'anciennes ombres qui ont été peintes par Luis San José pour un spectacle sur les mille et une nuits. Spectacle que vous voyez de ce côté-là. Il y a 3 grandes vitrines là, avec la princesse, un roi, un âne, enfin tous les personnages d'un spectacle qui a été créé sur le thème des mille et une nuits. Au fond, tout à fait à l'opposé, vous avez 4 marionnettes qui sont sorties d'un spectacle que j'ai créé avec le Tango Théâtre. Et les marionnettes ont été faites par Guillermo Fernandez. Une toute autre technique, là, il s'agissait de marionnettes sur table, très réalistes. Ça racontait l'histoire des enfants du Capitaine des Sables, en fait, de Giorgio Amado,
Donc des enfants perdus dans une grande ville latino-américaine. Le décor derrière vient d'un autre spectacle, il vient de derrière chez moi. Il a été peint par Mina Trapp. Ici, toutes ces trois vitrines présentent des marionnettes qui ont joué un spectacle qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Il a été créé en Russie, à Tcheliabinsk, avec mon pote Plotnikov, Victor Po. Et j'avais écrit l'histoire, ce spectacle s'appelait « Elle », donc « Krylia, les ailes pour voler ». Et il s'agissait de l'histoire d'un petit ange qui perdait ses ailes en arrivant au milieu du monde des hommes. Une esthétique vraiment magnifique qu'a porté cet homme et un spectacle qui a presque pas joué. Il a été joué 11 fois et il n'a pas trouvé son public, malheureusement. Derrière, là, vous avez un poisson. C'est le poisson d'or, une des premières marionnettes en bois que j'ai fabriquées pour le fameux conte du poisson d'or. À partir de là, le bois était vraiment pour moi une chose importante. Toutes celles-ci, je les ai fabriquées en bois. Et vous verrez dans une autre salle encore des marionnettes que j'ai beaucoup eu de plaisir à fabriquer. Marie-Dominique, ma collègue, elle a une fantaisie tout à fait différente de la mienne, comme vous le voyez ici. Elle adore travailler avec des matériaux différents, avec des objets comme là, par exemple, de la porcelaine ou du métal. Et ça lui réussit plutôt bien. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien, j'ai touché le micro. Bon, et puis en tout cas là, quand on était en Russie avec ce truc, on a cru qu'on passerait jamais la frontière. Parce que très franchement, bon, ça, c'est la salle blanche. Dans la salle blanche, il y a pas mal de choses plutôt anciennes, comme par exemple cet énorme crocodile. Lui, il nous a accompagnés pendant très très longtemps. L'énorme crocodile de Roald Dahl a été un spectacle qu'on a créé en 89 déjà. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. Il y avait donc tous ces petits personnages, il y avait une scénographie très variée, beaucoup de jeux de lumière qui avaient été faits par François Gendre. Il y avait aussi de belles marionnettes qu'on avait fabriquées, Marie-Dominique, Saint-José et moi. Et puis, ces personnages aussi. Bref, c'est un très, très joli souvenir de nos tournées du Guignol. De l'autre côté, c'est tout autre chose. Ça, c'est un spectacle pour adultes. C'est un spectacle, c'était le chant des loups. Et ici, j'avais écrit un texte avec des loups qui emprisonnaient le cochon. Ah, parce que je dis, c'est le contraire. C'est des trois cochons qui emprisonnaient le loup et qui le faisaient horriblement souffrir parce qu'ils supportaient pas le côté sauvage du loup, le côté... il avait mangé des enfants, il avait mangé des oiseaux et il voulait pas s'expliquer surtout. Donc, ça, c'était donc les masques que portaient les comédiens et les deux marionnettes principales. Un spectacle pour adultes. Dans les trois ou les quatre vitrines qui se trouvent à côté, c'est la grande fantaisie visuelle de Catherine Perler, de Marie-Dominique Saint-José Lambert, dans un spectacle qui racontait les voyages, c'était le cycle haut, il racontait les voyages d'un professeur un peu cinglé qui allait rechercher le sens de la vie dans une machine qui fonctionnait en fait sur le principe du coupé-collé, donc tout était jeu de mots. Et comme vous le voyez là-bas, toute la famille des pions, les goupillons, les roupillons, les papillons. Il y avait Ginette, la grenouille, qui n'arrêtait pas de faire des commentaires. Il y avait une grande fête sous la mer. Il y avait Poulpeau, il y avait aussi, d'une manière... Ben là, un exemple typique découpé-collé, donc avec le centaure. Et puis, deux personnages de Marionette Hagen qui arrivaient à la fin du spectacle. Donc la mort qui venait essayer de s'emparer du marionnettiste et Guignol qui sauvait la mise au marionnettiste. Merci Guignol. De l'autre côté, là-bas, vous avez toutes les quatre vitrines qui correspondent à un spectacle dont je vais vous parler encore tout à l'heure, qui était tiré d'un livre qui s'appelle Le Blanc Navire de Tchingiz Aitmatov et qu'on a transformé en l'enfant qui voulait devenir poisson. C'est donc une histoire, un spectacle où les très grandes dimensions sur le plateau n'ont pas pu être exposées ici. On a pu sortir que quelques petits objets, dont ce théâtre d'ombre que vous avez là dans la valise,
qui était joué à un jardin, sur la scène, qui était filmé depuis le côté opposé et projeté en grandeur humaine, c'est-à-dire que les tout petits hommes que vous voyez au fond se retrouvaient aussi grands qu'un comédien sur un écran qui prenait toute la scène. Donc c'était un jeu, ce spectacle, entre les théâtres d'ombre et les théâtres de marionnettes. Un peu trop lourd à transporter. Par contre, celui que vous avez ici, de l'autre côté, c'est ce qui reste aussi les parties petites du spectacle qui s'appelait « Graines de zizanie ». Ce spectacle était... la scène était divisée en deux parties. Et c'était un spectacle pour enfants où il y avait un jardin en 3D qui était le jardin de Monsieur Vert, que vous voyez assis au fond. Et puis, il y avait un théâtre d'ombre. Aujourd'hui, on l'a plus ici. Le théâtre d'ombre représentait donc la jungle dans laquelle vivait Madame Noire. Madame Noire était une ombre, donc noire. Les deux personnages se disputaient en grande partie à cause de la scolonie et du corbeau qui avait tout à fait plaisir à semer la zizanie chez le voisin. Donc à la fin de l'histoire, Madame Noire, que vous voyez là, sortait, rencontrait Monsieur Vert, qui lui aussi était sorti de son jardin, et tous les deux, à un arrêt de bus, se retrouvaient en train de fuir cette zizanie impossible, et ils tombaient amoureux. Joli final. Ben, merci de votre attention, là. On va continuer de l'autre côté. Alors là, ben, tout d'abord, il y a lui. Alors lui, c'est un personnage qu'on a utilisé surtout pour la malle à malice. C'est un personnage qui servait de clandestin, il était planqué tout au fond de la malle, et puis il atterrissait là au milieu du public en disant, il était apeuré. Il ne savait pas très bien comment les choses allaient se tourner pour lui. En face, là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enfant qui voulait devenir poisson et que c'était un spectacle grand. Il y avait toutes ces marionnettes d'ombre qui jouait dans ce spectacle. C'était plein d'une très très belle fantaisie. C'est Sandrine Tonnat qui a fabriqué tout ça, qui a fait des très très belles marionnettes. Et puis ça, c'est tout autre chose. Ça, c'est une ancienne marionnette. Elle a servi au spectacle qui s'appelle OUI. C'était donc le corbeau. Les marionnettes de OUI ont presque toutes disparu, trop fabriquées avec des matériaux trop naturels, et elles n'ont pas supporté le vieillissement. Le corbeau est resté. OUI, c'était un spectacle qui était joué sur un grand plateau. Il était joué, c'était un travail avec Massimo Bertinelli et le Guignol à roulette. Et puis, ce travail-là nous a amené à faire des choses très physiques, danser sur le plateau. Et on a beaucoup eu de succès avec ce spectacle dans les pays de l'Est, en Russie. On a beaucoup travaillé en Russie avec lui. Ça nous a ouvert la porte donc, de la Russie. De l'autre côté, vous avez une histoire... C'est une affreuse histoire, mais enfin, voilà. J'avais l'envie de faire un spectacle pour adolescents, un spectacle de Guignol. Je ne connaissais pas le Guignol. C'était bien avant le spectacle que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'avais envie de faire ce spectacle pour beaucoup de gens. Donc je me suis dit qu'il fallait faire des marionnettes de grande dimension et en bois, parce que j'avais envie de refaire du bois, je n'avais pas touché depuis longtemps. Voilà le résultat, qui au niveau visuel est très intéressant. Seulement les marionnettes sont lourdes, elles sont très lourdes, et la manipulation a été tout à fait extrêmement pénible. Donc il y avait plusieurs défauts au spectacle, son scénario n'était pas très bon, son texte était pire, et c'était difficile, très dur, donc de manipuler ces marionnettes. Par chance, bon ben voilà, il nous reste une très belle collection de marionnettes que j'aime beaucoup et qui m'ont permis aussi de créer les marionnettes suivantes, donc du spectacle Cause Toujours, qui elles sont toutes petites mais avec les mêmes caractéristiques, les mêmes visages que dans ce spectacle-là. Voilà, on a fait le tour. Peut-être encore quelques détails dans l'entrée. Ouais, alors l'arbre, c'est la toute première marionnette que j'ai fabriquée. C'était une fête, ici, en vieille ville de Fribourg, dans un petit théâtre. Et puis, je sais pas pourquoi, on a décidé de faire cette farce à un copain. Et puis, j'ai fabriqué cette marionnette qui a une très grande bouche. L'index se met dans le nez et ça lui fait une très grande ouverture de bouche. Il a les yeux qui bougent.
Et il nous a suivis tout au long. Il a servi carrément de fil pour de fil rouge pour l'écriture de notre livre il y a en 2009. Et puis maintenant, il a continué à travailler dans la malice. Et j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage qui est drôle, qui est bête, qui est vraiment rigolo. Moi, je l'aime bien. À côté, là, il y a aussi un petit théâtre qui est marrant parce que c'est un des seuls spectacles pour adultes qu'on a fait et qui a vraiment beaucoup, beaucoup tourné. C'est une histoire qu'on avait montée à partir d'une longue discussion avec les gens de Stop Sida. Et c'était une manière d'aller dans les fêtes, les festivals, dans les rues, dans les bars, pour parler du sida et pour distribuer des capotes. Et puis là, il y a encore une marionnette qui a été fabriquée par François Gendre pour un spectacle qui n'a jamais été achevé. Il s'appelait Théophile du Temps. Mais comme elle est sympa, on la garde justement pour les expositions parce que c'est une belle tête. Et à côté, il y a une autre marionnette qui a été fabriquée par Georges Voyat. Et puis celle-ci, elle a servi dans la Mala Malice. Elle a été construite pour un stage, pendant un stage, sur le latex. Et puis elle nous a servi pour le spectacle La Mala Malice.